Bonjour, c'est le gamer qui développe. Dans cette vidéo, on va programmer les scripts qui permettent de tuer les ennemis. On va apprendre dans le process aussi comment utiliser l'aide pour trouver les bonnes fonctions et débugger à fur et à mesure notre script. Alors, sans plus tarder, c'est une vidéo qui est très longue. Attachez vos ceintures et je vous dis à tout de suite. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif de cette vidéo, c'est de tuer nos ennemis. C'est simple, on va commencer par coder ça directement pas à pas. Alors, première chose qu'on a besoin, c'est une variable qui va justement récupérer cet état et qu'on va appeler isDead, c'est pour dire qu'il est mort, tout simplement. Et qui va être un booléen qui est initialisé à false. Voilà. Alors, ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est de rajouter une fonction qui va gérer juste après la fonction ready, mais bon, vous pouvez la mettre où vous voulez. Et on va appeler fonction dead pour dire qu'il est mort. Et à l'intérieur de cette fonction, on commence par dire que isDead est true. Ce qui signifie que notre ennemi est mort. Et donc, de ce fait, la première des choses, c'est de commencer par l'animated sprite et faire une animation de qui change l'état, c'est-à-dire une animation qui se rapproche de l'état mort, et qu'on va appeler play avec dead. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'animation dead sur l'ennemi, mais on va essayer de le faire tout de suite. Donc on revient sur notre animated sprite, vous remarquez que nous avons déjà une animation marche, nous allons rajouter l'animation dead. Et qu'on va appeler dead, c'est-à-dire pour dire mort. Donc l'animation, on la récupère à partir de notre toujours tileset. Et on va toujours faire du 32. À 32 ici. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude de ça. Et je devrais l'avoir ici, juste après le player. C'est cette animation. Enfin, c'est juste une croix, mais c'est pour dire que l'ennemi est mort, tout simplement. Voilà. Donc, je vérifie que c'est OK. Et normalement, on devrait faire la vitesse à 0, parce que bon, c'est une animation où il ne bouge pas, donc a priori, on le fait à 0. Et je reviens sur le script. Et sur le script, je reviens à la fonction dead, où juste après, on doit s'assurer aussi que la vitesse retourne à 0. C'est-à-dire on a la variable déplacement qui, elle, gère notre voilà, qui est un vecteur et qu'on va mettre à 0 tout simplement. Donc on va mettre déplacement reçoit un vecteur 0, ce qui aura pour effet d'arrêter l'ennemi une fois qu'il a reçu un projectile. Donc l'idée c'est quoi? C'est que une fois que l'ennemi est mort, a priori, il ne devrait pas bouger, on devrait faire un play de l'animation. Et voilà. Alors, juste après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'assurer que le code de déplacement s'arrête aussi. Donc, on va faire un test d'abord que la variable isDead n'est pas égale à true, ou plutôt à false. Donc, if isDead. On s'assure qu'elle est à faux. Là, on utilise tout ce code. Voilà. Et on indente vers la droite pour dire qu'il va faire partie de ce test. Voilà. Donc voilà, ce qui nous donne à peu près ce code par rapport à notre ennemi. Et on s'est assuré bien sûr que si la variable isDead est égale à false, on peut aller faire des mouvements. Et dans le cas contraire, bien sûr, ce test va empêcher notre ennemi de se déplacer une fois mort, une fois qu'il a reçu un projectile. Alors la deuxième chose qui est importante, c'est d'aller sur le script du projectile
et aller sur un signal spécial qui va nous aider beaucoup justement pour s'assurer qu'il a une mémoire, c'est le fait que le projectile touche notre ennemi. Alors, bien sûr, ce script il touche l'ennemi 1, et donc c'est sur ce script qu'il y a déjà notre fonction dead. Et sur le projectile, on doit s'assurer qu'une fois ce signal qui est déclenché, c'est-à-dire en projectile body entrée, ça signifie tout simplement que au moment où le projectile, le corps du projectile entre en collision avec un autre corps, dans notre cas, c'est un ennemi quel qu'il soit. Et en fait, on fait appel à la fonction dead de cet ennemi. Alors, vous remarquez qu'ici, je fais un test if enemy, et que vous remarquez que en fait, tous nos ennemis commencent avec le même, pratiquement la même chaîne de caractères qui est enemy avec un E majuscule. Et donc, à chaque fois que un des ennemis, le corps de un des ennemis touche notre projectile, je m'assure que cette fonction est appelée. Et donc la fonction dead a priori devra être programmée pardon, sur tous les scripts. Ce qu'on va faire, bien sûr, on va reprendre le script de l'ennemi 1 sur l'ensemble, le reste des ennemis, une fois qu'on a terminé nos tests. Alors on va faire notre premier test et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai ça, boum, je tire et je suis sûr que c'est mort. Voilà. Alors je reviens sur mon script. Si vous remarquez très bien, au moment où je tire mon projectile, hop, taf, une fois qu'il touche le premier ennemi, l'ennemi disparaît. Par contre, je pense que j'ai rajouté sur l'ennemi une fonction qui est importante, c'est celle du keyFree. Mais si je la mets ici, je n'ai même pas le temps d'avoir l'animation qui s'affiche. Alors on va essayer de commenter celle-là. Ok. Alors pour commenter et décommenter, on fait ça. On vire le keyFree, comme ça on aura le temps de voir notre animation. Je pense que je me suis précipité. Et là, vous remarquez que notre animation apparaît. C'est-à-dire que je prends le temps d'afficher l'animation quand même, une fois que le projectile a été touché. Alors, pourquoi j'ai fait le keyFree? Parce que tout simplement, a priori, je ne voulais pas que la croix reste sur le niveau. Mais on va essayer de trouver une solution à ça aussi. Donc voilà. Qu'est-ce qui nous reste? On revient sur le projectile. Et une chose qui est très importante, le keyFree est une fonction qui est très importante, donc je me suis permis d'aller sur l'aide. On peut aller sur l'aide à tout moment, les gars, on fait rechercher avec un ou bien Shift 1, et on va sur le keyFree. Voilà. Et on a deux fonctions en fait, on a la fonction keyFree et c'est isQ for deletion. Alors, la fonction keyFree, on dit que en fait, elle met un nœud sur, par exemple, à la fin de chaque frame. Vous remarquez que sur le Physics Process, on a des frames qui s'affichent. Et à la fin de chaque frame, qu'est-ce qu'il fait? Elle s'assure que ce nœud a été mis en queue pour être tout simplement détruit. C'est-à-dire qu'il n'a pas lieu d'exister à la prochaine frame. Donc, a priori, je dois m'assurer juste après le projectile. Une fois qu'il y a eu le body entrée, que je fais tout simplement en fait que notre personnage, que notre ennemi plutôt disparaît. Et je crois que je vais rajouter un keyFree juste ici. Voilà. Et je crois que je vais faire plutôt body.keyFree. A priori, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, je fais l'appel de fonction qui fait partie, en fait, de l'ennemi. C'est celle-là, dead. Donc, dans dead, qu'est-ce qu'on fait? On met la variable à true, donc pour s'assurer qu'il ne bouge plus, enfin, dire qu'il est mort, tout simplement. Et puis, je fais le play de l'animation et j'arrête le déplacement juste après. Donc, ça devrait être ça. Et on teste et on va voir ce que ça donne. Donc je tire dessus, hop, et là je suis sûr que le keyFree ça fait. Alors on pourrait trouver une solution via un timer, peut-être c'est une bonne solution aussi pour dire voilà, tu fais un play de l'animation pendant un moment. Je pense que ce sera une bonne solution pour se dire voilà, il va rester pendant un moment. Alors comment faire ça? J'ai déjà un timer que j'ai programmé, il est ici. Et ce timer, on va peut-être augmenter le temps où le wait time en fait du timer.
On le dit, il va rester par exemple pendant 2 secondes, voilà par exemple, et qui va se passer une seule fois. Alors je reviens sur le script et je dois m'assurer une fois que par exemple, on aurait pu faire par exemple le Q-free ici, c'est-à-dire au lieu de faire un Q-free directement, on doit attendre d'abord que le timer fasse son temps, c'est-à-dire qu'il fasse les 2 secondes, et après on fait juste après le Q-free. Donc on revient sur le projectile. Et plutôt, on va pas faire le Q-free directement. Donc, on a vu déjà l'effet que ça donne. C'est-à-dire, une fois qu'il y a un Q-free, ça reste ou bien ça reste pas. Et donc, on va virer ça, tout simplement. Et on va s'assurer que sur le timer, il va rester. Et cette fonction, en fait, elle est appelée en timeout, est appelée une fois que justement, le temps est passé du timer. Voilà. Et donc, je vais faire mon Q-free ici. Ce qui va m'assurer, en fait, que. L'animation va jouer au moins pendant 2 secondes avant d'être détruite complètement. Et voilà. Et on devrait avoir au bout de 2 secondes le corps qui disparaît. Voilà. Donc ça n'a pas l'air de trop marcher. On va essayer de voir ça. On va essayer de trouver une solution à ça. Donc, pourquoi ça marche pas? On m'a dit qu'on a fait le Q-free. Ah, mais on n'a pas lancé le timer, c'est très important. D'accord. On revient sur notre script au moment où, voilà, ici, juste au moment de l'appel de fonction asDead. On doit s'assurer aussi que le collision shape est désactivé, sinon il risque de nous poser des problèmes. Donc, je fais $ pour faire appeler les variables qui sont locales, c'est-à-dire le collision shape. Et j'ai fait disabled. Voilà, pour dire qu'on doit le désactiver. Et bien sûr, je lance mon timer et commence à compter les 2 secondes. Voilà, timer.start. Voilà. Et là, on devrait être bon, les gars. Alors, start cannot be called from an instant. Ah oui, il a raison. Il a raison. Je dois commencer avec un dollar, toujours, pour dire que c'est l'instance locale du timer.start. Voilà, je devais être bon les gars là. Voilà, allez, on reteste et on voit ce que ça donne. Hop, je tire dessus. Hop, là j'ai un bug. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, qu'est-ce qu'il nous dit? Non-existent function disabled. Invalid code, non-existent function. Il dit que c'est une fonction qui n'existe pas. Pourquoi? Si, ça devrait exister. On a un collision shape 2D. Peut-être je me suis trompé sur quelque chose. Bon, écoutez, bon, c'est pas grave. Je vais virer ça pour le moment. Je vais revoir juste après pourquoi j'ai ce souci de collision shape. Ok. Alors, si ça se trouve, ça va me faire un autre bug, mais au moins, je dois m'assurer qu'une fois que je tire, il faut pas qu'il reste dessus. Ok. Hop. Timer. Hop. Allez, timer. Voilà, ça marche, les gars. Super. Donc, c'est resté 2 secondes. Je sais pas si 2 secondes, c'est bon. Ça paraît un peu long, là, sur l'écran. Et hop. Ça me revient. Donc, alors, je dois m'assurer aussi que au moment où j'appelle la fonction aussi que l'objet existant là, c'est très important. Donc, ça fait 2 bugs à surveiller là, le collision shape et l'autre. Mais bon, dans l'ensemble, on est sûr moi qu'une fois qu'on tire dessus, on est tranquille, on est sûr que ça va être tué quoi. Donc, je reviens sur où est-ce que j'étais déjà? J'étais sur le script ennemi, je pense. Voilà, avec le. Ah oui, je voulais faire le timer avec moins de temps. Voilà. Donc, si j'y arrive, je réduis un peu. Voilà. Et je pense que je vais mettre. Allez, je vais attendre. Comme ça. Ah, je pense que ça devrait la faire. Ça devrait suffire. Bien sûr, one shot, je dois garder ça. Je relance et je lui tire dessus. Boum! Et hop, 1 seconde, taf, je pense que c'est bon là. Ça réduit notre temps d'attente et je pense que ça donne déjà une bonne attitude du script. Alors, on va trouver pourquoi notre collision shape nous fait des misères. Alors, c'est très important parce qu'on doit vraiment libérer le collision shape, sinon, si on laisse le collision shape, ça va nous faire des bugs pas possibles. Donc, on doit s'assurer de le virer. Et là, allez, je vais chercher sur la documentation. Allez, ça va nous donner une idée. Collision shape. Alors, collision shape. Voilà, collision shape 2D, c'est la classe. Alors, on représente le collision shape, description, plan blanc,
Attends. Sur les propriétés boules disabled. Ah, d'accord. C'est une propriété. Moi, je faisais l'appel d'une méthode, les gars. C'est pour ça que je me suis trompé. Ok, donc, vous savez la différence entre une méthode et une propriété. Dans une classe, une propriété, c'est juste un genre de variable, si vous voulez. Par contre, la méthode, c'est tout simplement une fonction qui est à l'intérieur de la classe. Et je pense, moi, j'ai fait la bêtise de l'appeler en tant que méthode et pas en tant que propriété. Donc, je peux rectifier ça, les gars. Je reviens sur mon script ami. Voilà. Et allez, j'enlève le commentaire. Décommenter, voilà. Et c'est une propriété, donc je n'ai pas le droit de l'appeler sous forme de fonction. Donc, je dois la mettre, sachant que c'est une variable, je dois la mettre à true pour dire, voilà, je désactive le collision shape. Voilà. Donc, ça, c'est un bug qui est pour corriger. Voilà, je tire, mon code fonctionne. Je ne devrais pas avoir de problème ni de bug. Hop. Sauf sur le cas là, ici, je dois reprendre, je dois trouver qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ah, voilà, il me dit que non-existent function. Alors là, je crois que je dois m'assurer en fait que l'objet n'a pas été mis sur la queue. Voilà. And the body. Is cute. Alors, comment on appelait ça déjà la fonction? Je reviens à l'aide. Allez, à l'aide. Boom. Oups, pardon. Alors, on a dit Q free, Q-free, d'accord. Ah, is cute for deletion. Alors, je vais prendre cette fonction. Alors, retourne true si notre méthode a été appelée par un objet. Ah, d'accord. Donc, je vais reprendre isCued for deletion. Et je reviens sur mon code du projectile. Voilà. Voilà, point is. Voilà. Je m'assure, je fais l'appel de fonction. Mais en fait, je dois faire. Attendez, hein, on teste et on va voir ce que ça donne. Ok, et là il l'utilise plus. Voilà, ça marche pas. Je pense is not queued. C'est plutôt faire un inverse. C'est pas directement queued for deletion. Alors je reviens sur mon script du projectile. Alors comment j'ai un note? Voilà, un note. C'est l'inverse. Voilà. Voilà, je tire dessus, hop, il est mort, et devrait avoir un truc. Bon, bah, il faut trouver autre chose. Ok, ça n'a pas l'air de marcher. Ok, je vous promets de voir ça sur une autre vidéo, parce que là, ça donne pas vraiment. Je comprends pas pourquoi, au moment où je tire sur un autre ennemi, j'ai ça. Mais bon, vous remarquez que pas à pas, il faut trouver des solutions au fur et à mesure. Vous avez l'aide, vous avez les forums, vous avez plein de choses. Vous avez mes vidéos, c'est sûr. Bon, j'essaie d'aider, bien sûr, tant bien que mal. J'essaie de vous aider dans votre quête pour programmer des jeux vidéo. Mais voilà, vous voyez que moi aussi, j'essaie de trouver des solutions au fur et à mesure. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si je vais résumer. Ah oui, je vais résumer quand même ce qu'on a fait. Hein, sinon, on va rien comprendre. Alors, résumer rapidement. Le script enemy, qu'est-ce qu'on fait? On commence avec une variable d'abord, dead. Elle, c'est un boolean qui va me dire à chaque fois l'état de l'ennemi, est-ce qu'il est mort ou pas. La fonction dead, je fais appel à cette fonction une fois que le projectile touche l'ennemi. Et ça se passe sur le script du projectile, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur la fonction dead? On met la variable à true. On joue la séquence pour dire une petite animation pour dire qu'il est mort. Moi, j'ai mis une croix, mais bon, vous pouvez mettre bien sûr quelque chose de plus intéressant, une animation où l'ennemi tombe, par exemple, quelque chose de plus intéressant. On arrête le déplacement, on désactive le collision shape et on commence les timers, c'est-à-dire le timer sur l'ennemi pour dire tu fais le play de l'animation. Pardon, pendant ce timer. Et bien sûr, à la fin du timer, on libère notre ennemi de la queue du processing, c'est-à-dire que l'ennemi n'est plus affiché à l'écran. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Alors, j'essaierai de revenir sur les bugs rencontrés, bien sûr. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager dans votre entourage. Et voilà, et je vous dis à la prochaine vidéo.